Et comment que c'est ? Ça gaz avec toi ou quoi ? Nickel chrome, nickel crème, et si c'est ici. Je sais pas si t'as vu, mais l'autre jour, il y a le daron qui est rentré dans la carrée. Il était joyeux comme tout. Il a dit, hey, Tissim, il avait le journal dans la main. Il a fait, hey, Tissim, hey, toi aussi, t'es quasi débile. Hein? C'est un prof de la fac qui a dit, toi, t'étais un quasi débile. Et il dit, hey, moi, je savais des fois en te parlant de ça que t'es un quasi débile. Et puis, c'est quand même un prof de la fac qui a dit que t'étais quasi débile. Donc, les profs de la fac, si tu veux, c'est pas quand même des margoulins qui auraient pu faire préfet. Hein? Non, c'est des profs de fac, c'est les plus diplômés de la France qu'il a dit, mon daron. Et là, il y a ma mère. C'est ma mère qui a dit qu'il est rentré dans l'arme alors propre sec. Hein. Je te garantis, il n'y avait plus un poil de rigide. Après, il a pris plein sa gueule, le vieux. Elle lui a dit, mais excuse-moi mais de te rappeler à ton bon souvenir, mais c'est exactement le discours qu'avait ton père il y a 20 ans de ça, quoi, en disant, tiens, celui-ci est à moitié débile aussi quand tu rentrais aux arpètes, tout ça, parce que tu faisais moins bien que lui, parce que tu étais un quasi débile, tu avais deux mains gauches, un glaive, un glavouche, tout ça, il disait tout ça. Et à cette époque-là, ta mère avait dit à ton propre père, ça me rappelle ce que disait ton père, quoi, quand tu as commencé à travailler aussi, bah, t'étais un nul, un zazou, quoi, un marginal, tout ça. Ce serait pas finalement l'apanage des vieux cons de dire aux gosses qu'ils sont des quasi débiles. Ah, c'est quand même un peu ce que je crois. Ah, du coup, j'ai dit à ma daronne que je l'aimais plus que tout, plus que mon cœur et plus que ma vie, et je lui ai fait un gros bisou. Et le vieux est resté sec au milieu de la place. Comme ça, lui, au moins, on est sûr qu'il sera pas à l'Élysée.